Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chez nous, on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. J'ai beaucoup réfléchi cette vidéo. Et j'ai conscience que celle-ci risque de me faire perdre quelques abonnés. Je suis pas dans la course à l'abonné ni à l'audimat. Mais je pense que c'est une vidéo qui va changer beaucoup de choses, notamment sur ma chaîne, mais aussi pour d'autres projets dont je vais vous faire part dans cette vidéo. Dans un premier temps, pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui seraient en contradiction avec ce que je vais dire ou à qui ça ne plairait pas, et qui vous diront « Oh, je me désabonner, David !» Si vous voulez rester dans vos certitudes, si vous n'aimez pas la pluralité d'opinion, ou tout simplement si ma tronche ne vous revient pas, n'hésitez surtout pas à vous désabonner. Allez sur des chaînes comme Cyprien, Norman, ou d'autres trucs dans le genre, il n'y a pas de problème. Là, vous trouverez rien à y redire, vous allez vous marrer. Il n'y aura pas de contradiction. Et vous arrêterez de casser les pieds. Si au contraire, vous comprenez que on peut avoir des sujets en commun dans la vie, mais ne pas tout avoir en commun, que vous n'avez pas peur de vous confronter à d'autres réalités, à d'autres points de vue, à d'autres façons de voir les choses, et que vous aimez la pluralité d'opinions et de points de vue, dans ces cas-là, bah, n'hésitez pas, soit vous vous abonnez, soit vous mettez un petit pouce en l'air. En tout cas, ce que je vais dire ici va un petit peu secouer, que ce soit mes abonnés ou les gens qui viennent. Depuis quelques temps, YouTube me gonfle. Pas la plateforme en elle-même, hein, y a pas eu de gros changements, mais le YouTube autonomiste, survivaliste, collapsologue, me casse les noix. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant longtemps à faire des vidéos. C'était bienveillant, c'était sympa. Force est de constater que récemment, les choses ont changé. Et je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte. Récemment, j'ai fait acte de présence dans un live sur la chaîne de mon ami Christophe, le Jardin des Sources. Et lui-même est un petit peu dans le même état d'esprit par rapport à ça. Touko, de la chaîne Le Survivaliste Français, a également fait part il y a une semaine de sa lassitude de la façon dont YouTube évoluait. Et moi-même, depuis un bon mois, je vous montre un petit peu ce que je fais, j'ai beaucoup de boulot. Mais le YouTube tel qu'il est aujourd'hui, je parle en termes d'autonomie, de survivalisme, etc., me fatigue. Les critiques, heureusement il y en a quand même des constructives, mais sont de plus en plus présentes et insultantes. Ça va être du « vous êtes des manches » ou alors « ouais, je suis pas d'accord avec toi, ce que tu fais c'est de la merde ». Il y a énormément de critiques négatives qui n'ont pour but que de casser, de blesser, d'insulter et de montrer à quel point vous êtes meilleur. Fort heureusement, une majorité d'entre vous est sympathique et bienveillant. Et je pense que cette majorité d'entre vous comprendra le sens de cette vidéo. Le YouTube survivaliste me gonfle. Non pas sur son contenu, présenter des rangers, présenter ses flingues ou son potager, c'est pas inintéressant. Seulement, je trouve que beaucoup de choses sont occultées. Touko parlait du côté familial qui est occulté.
Moi, il y a deux vidéos où j'ai montré mes gamins sur mon tracteur avec moi en train de bosser ou ramasser des pommes. Et j'ai eu le droit à des trucs du genre, oui, tu exploites tes enfants alors qu'ils ne sont pas déclarés. Je n'arrive plus à supporter ce genre de conneries. Les remarques de bas étage, oserais-je même dire parfois bas du front, sont devenues légion. Le YouTube survivaliste, je ne m'y reconnais plus. Et je sais que nombre de personnes qui suivent plusieurs chaînes de survivalisme, d'autonomie, etc., seront d'accord avec moi. Le clash est en train de prendre sa place dans notre petit monde. Certaines chaînes n'ont plus pour vocation que dire que ce que font les autres, c'est de la merde, qu'ils savent mieux que les autres, que leur point de vue prévaut celui des autres, que le moindre écart vis-à-vis de leur propre petite pensée est vu comme du complotisme, du fascisme, de la pseudo-science, etc. Bref, plus aucune tolérance, plus aucun esprit de groupe. Et tout cela occulte le fait que nous sommes tous mus par un objectif commun. Cet objectif commun, c'est l'autonomie. Cet objectif commun, c'est d'être capable à l'avenir de pouvoir moins dépenser, de pouvoir mieux dépenser, de pouvoir consommer de bons produits, vivre avec moins, se soustraire de la tutelle de l'État. Bref, notre objectif commun à tous, c'est de vivre mieux, plus simplement, de retrouver un petit peu la façon qu'avaient nos aïeuls de vivre. Et je trouve que ça s'est perdu. L'autonomie, c'est quelque chose que je vis au quotidien. L'autonomie, c'est presque un travail pour moi, mais pas dans le sens péjoratif du terme. L'autonomie, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, que j'ai aux tripes. Je ne prétends jamais être parfait, j'apprends, je fais des erreurs, je progresse, etc. Et donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi à la façon que j'avais de le transmettre. J'ai fait des erreurs. Et à la façon dont j'aimerais le transmettre. J'ai pris une décision. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire en sorte que malgré la conjoncture, que malgré l'inflation, malgré les difficultés, nous puissions continuer à aller vers quelque chose de plus agréable pour tout le monde. J'aimerais, par mon action, me rapprocher de ceux qui, comme moi, abordent le sujet de l'autonomie, du survivalisme, comme quelque chose de bienveillant. Quelque chose où nous puissions tous nous entraider, nous soutenir et faire avancer de manière commune notre façon d'aborder la vie, d'aborder les choses, en acceptant le fait que nous sommes tous différents, que nous ne valons pas mieux que les autres, que nous sommes juste différents des autres. Et donc du coup, si nous sommes mus par un but commun, que nous avons sincèrement pour objectif d'aider les autres à développer un projet, ça peut passer par des vidéos utilitaires, ça peut passer par des vidéos de notre quotidien, ça peut passer par des vidéos de réflexion, comme j'aime les faire, ça peut passer par des lives où nous échangeons sur différents sujets, et avec un soutien mutuel qui ne fera que nous grandir. Je vois déjà les vidéos, les lives qui vont suivre cette vidéo que je viens de faire.
afin de se moquer, afin de railler ce que j'essayerai de mettre en place. Mais je sais également que nombre d'entre vous auraient à cœur de participer à ce projet commun qui aura pour but de nous entraider. Nous sommes une petite communauté aujourd'hui de youtubeurs avec des petites chaînes, des plus grosses chaînes. Moi, je suis dans les petites chaînes, certains en ont une plus grande. Mais avec des aspirations communes, avec des objectifs communs et juste des manières et des moyens d'y arriver qui sont différents. Lorsque certains d'entre nous ont des soucis, les autres peuvent, à leur échelle, aider à ce que cette personne aille mieux ou retrouve de la motivation ou tout simplement l'aider à développer son projet de la meilleure manière possible. J'ai donc décidé, après mûre réflexion, de renommer ma chaîne. Ma chaîne désormais portera le nom du lieu où je vis, à savoir à la croisée des chemins. Le vrai nom c'est la croisée des chemins, mais la chaîne va s'appeler désormais à la croisée des chemins. Sur cette chaîne, plus de concessions. Vous faites une critique construite, et je vais vous donner un exemple. Vous aurez, voilà, la possibilité d'en parler, d'échanger, pourquoi pas de donner vos conseils avec bienveillance. Et à contrario, si vous avez des critiques non constructives, voire même des critiques virulentes, ce sera sans sommation un ban de la chaîne. Pas de réponse, plus de vidéo-réponse. Fini. Maintenant, je partagerai comme toujours mon quotidien. Je ne partagerai plus mes réflexions autour des sujets un peu plus clivants. Ce sera beaucoup plus consensuel sur ma chaîne. Et avec comme objectif également de donner un support à toutes les personnes qui suivent mon camping, de donner un support à toutes les personnes qui ont envie de soutenir le projet que je mène, de pouvoir y venir. Cette chaîne sera la même, toujours monétisée, les anciennes vidéos ne disparaîtront pas. Cependant, les formats vont changer. Il n'y aura plus de live sur ma chaîne, mais vous allez comprendre que ce n'est pas la fin des lives. L'objectif sera désormais, pour cette chaîne, de partager le quotidien d'un survivaliste, d'un autonomiste, appelez-les comme vous voulez, d'un entrepreneur qui essaie de faire son petit bonhomme de chemin et qui s'en sort pas trop mal malgré les médisances de certains. La saison s'annonce très bonne. Par contre, j'ai quand même l'intention de continuer à parler de sujets de société, d'avertir à ma petite échelle, mais je n'ai plus envie de le faire seul. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de tous nous entraider les uns les autres. C'est d'être capable, tous ensemble, de créer un amalgame de personnes ayant pour objectif de faire avancer les sujets de société. Et c'est pour cela que j'ai décidé de créer une chaîne dont je tairai le nom pour l'instant, donc qui vous sera communiquée très bientôt, mais d'abord aux principaux intéressés, puisque cette chaîne a pour objectif d'être une plateforme YouTube commune avec les youtubeurs, autonomistes, survivalistes, collapsologues, etc., qui auront pour souhait de partager leurs réflexions, leur quotidien, etc. L'onglet communauté servira à référencer les vidéos communes de toutes les personnes qui souhaiteront se joindre à l'aventure.
Nous nous ferons entre nous de la publicité pour nos différentes chaînes, étant donné que la plupart des gens qui seront invités à y participer ont une chaîne. Cette plateforme sera également, et c'est une personne que je connais qui m'en a indirectement donné l'idée, cette plateforme sera également une plateforme commune pour toute personne qui souhaiterait, de manière anonyme, publier des vidéos. J'ai un voisin qui m'a partagé une vidéo qu'il a faite chez lui et que j'ai partagée sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à regarder au sein d'un petit short. Et je trouve que c'est quelqu'un qui mériterait qu'on le mette en avant. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont ni le temps ni l'envie de gérer une chaîne YouTube. Moi, j'en aimais le souhait. Et donc, du coup, je mettrai en place une adresse mail sur laquelle vous pourrez envoyer vos vidéos. Et je les partagerai avec grand plaisir, en vous citant si vous le souhaitez, sans vous citer si vous ne le souhaitez pas, en expliquant à chaque fois qu'il s'agit d'une vidéo qui n'a pas été filmée par moi et qui appartient à quelqu'un d'autre et qu'il souhaitait partager sur la chaîne. Cette chaîne sera donc un amalgame de beaucoup de vidéos et ce sera également une chaîne sur laquelle nous ferons des lives communs ou non avec les différents youtubeurs qui souhaiteront se joindre à cette communauté. Cette chaîne ne sera pas monétisée. Chacun sera libre de continuer à monétiser sa chaîne de son côté, d'être sponsorisé s'il le souhaite. En tout cas, cette chaîne ne sera pas sponsorisée. Il n'y aura aucune histoire d'argent sur cette chaîne commune, mais ce sera un support mutuel pour différents youtubeurs. Ceux en qui on peut avoir confiance auront accès à cette chaîne. Ils auront les logins, les mots de passe, pourront se connecter dessus afin de partager leur contenu, partager leurs réflexions. Nous aurons les coordonnées les uns des autres afin de pouvoir communiquer pour mettre en commun des lives que nous souhaiterons, des vidéos que nous souhaiterons, etc., etc. Nous pourrons y partager des projets, qu'ils soient pécuniers ou non, mais aucun argent ne sera fait directement dessus. L'objectif n'étant pas d'en faire une plateforme commerciale, mais un vrai lieu de partage et d'échange autour du thème de l'autonomie. Ça n'empêche pas le petit coup de pub, chacun le fera de manière gratuite et sur son temps libre. S'il a un projet à soumettre, il n'y a pas de problème. Je mettrai également en place, avec des administrateurs, un Discord. Ce Discord sera le Discord commun des abonnés de cette chaîne qui souhaiteront y participer, afin que nous puissions tous discuter, échanger sur cette chaîne commune. J'ai peut-être une idée de nom, mais elle sera soumise à vote. Bref, de gros changements à venir prochainement pour permettre à chacun de partager son travail et de pouvoir se recentrer sur leur chaîne pour faire vraiment ce qu'ils ont envie, ce qui leur permet d'avoir de l'audience, mais également cette chaîne commune qui sera vraiment un lieu de partage d'informations. On pourra vraiment y mettre de tout. Vous pourrez tomber sur des vidéos de gens qui discutent de sujets un peu clivants, en toute bienveillance toujours, c'est un peu l'objectif. L'objectif étant de retrouver une certaine liberté d'expression où on ne craint pas de voir sa propre chaîne avoir des soucis. Pas de problème de démonétisation, puisque de toute façon, il n'y aura aucune monétisation dessus. Cette plateforme commune sera également, et je finirai là-dessus, une plateforme de soutien mutuel, que ce soit sur Discord, etc. Les youtubeurs
qui le souhaiteront pourront y partager leurs sentiments vis-à-vis de certains sujets qui sont un peu clivants. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être chacun dans son coin. Cette plateforme permettra de créer des projets en commun. Je ne sais pas si elle fonctionnera, mais si vous vous retrouvez un petit peu dans tout ce que je viens de dire ici, si vous avez le souhait de promouvoir votre chaîne, de partager du contenu, ou si vous avez des gens qui souhaitent partager leur contenu mais pas sur votre chaîne et de manière anonyme, si vous vous retrouvez dans mes paroles aujourd'hui, eh bien vous êtes les bienvenus sur cette nouvelle chaîne qui verra le jour dans les prochaines semaines. Bien entendu, chaque vidéo sera dans la description un lieu de partage de chaînes, etc. Si vous souhaitez mettre en avant votre travail, vous êtes les bienvenus. Et pour terminer, nous écrirons ensemble, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, une charte commune par rapport à cette chaîne pour cadrer un petit peu tout ça. J'aimerais vraiment que certaines personnes, je pense à Touko, à Christophe et à d'autres, je les cite eux parce que je sais qu'ils ont ce même sentiment que moi et qu'ils savent tous les deux que je les apprécie beaucoup, et que d'autres se joignent à nous. Mais par contre, cette charte sera, je ne vais pas dire restrictive, mais contraignante. C'est-à-dire que si un jour, vous partez en couille, que vous insultez, que vous diffamez, que vous êtes contraire à l'état d'esprit que l'on y mettra, à savoir contraire à l'état d'esprit de partage, contraire à l'état d'esprit de redonner à YouTube une vision plus posée de l'autonomie et du survivalisme, alors vous n'êtes pas les bienvenus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, c'est que aujourd'hui, quand on voit un petit peu YouTube, quelqu'un qui tape survivalisme, quelqu'un qui tape autonomie, il va tomber sur des trucs absolument effarants, sur des personnes qui clashent, sur des personnes qui insultent. Honnêtement, moi, avec l'amour que j'ai pour ce que je fais, ça me fait mal au cœur de voir que certaines personnes pourraient passer à côté du bonheur que c'est de travailler de ses mains. Alors, c'est pas rigolo tous les jours, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai espace de liberté. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on arrive sur Internet, c'est assez pitoyable en réalité. Je ne dis pas que j'ai pas fait des erreurs moi-même. Je pense être resté relativement droit dans mes baskets et bienveillant. Et j'ai plus envie de me prendre la tête aujourd'hui avec le YouTube Game, que je trouve absolument merdique. Donc si vous avez envie de retrouver un YouTube plus sain, plus respectueux, et plus proche des valeurs de l'autonomie, du survivalisme, telles que nous les avons tous à un moment ou un autre fantasmés, alors, vous êtes les bienvenus. Je vous laisse mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire « je suis intéressé ». Et dans ce cas-là, je créerai le Discord et nous pourrons nous y retrouver afin d'en discuter. Vous me mettez votre mail ou... Voilà, votre mail, c'est très bien. Ou vous m'envoyez un mail, je mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Et vous me dites, voilà, moi j'ai ma chaîne YouTube, j'aimerais être mis en avant, j'aimerais qu'on arrive à
augmenter nos communautés ensemble, à nous envoyer du monde les uns les autres et à réussir à, voilà, à faire que cette plateforme permette à des petits youtubeurs et des gens sincères dans leur démarche de grandir. Et donc voilà, j'espère que vous comprendrez ma démarche. Si vous, vous trouvez que c'est de la merde, si vous trouvez que c'est bisounours, si vous trouvez que c'est irréalisable, bah tant pis, vous ne m'intéressez pas. Si à contrario, vous trouvez que cette démarche est la bonne, que c'est le YouTube que vous avez envie de retrouver, que c'est le YouTube que vous avez envie de promouvoir, et que vous aimez votre chaîne, que vous aimez votre travail d'autonomie autant que moi je l'aime au quotidien, eh bien, vous êtes les bienvenus. Portez-vous bien et ensemble, faisons avancer l'autonomie. Salut tout le monde.